Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Fylor et aujourd'hui, surtout pour l'épisode 23 de notre Let's Play sur Assassin's Creed 4 Black Flag. Et donc, la dernière fois, on s'était laissé après avoir buté Ornigone hier. Non, on avait enfin buté le traître qui nous avait bien fait chier, à vrai dire. Et du coup, c'est bon, on a réussi à le tuer. Et là, on va continuer la quête principale. Ça va être parfait. Voilà. Mais c'est très bien. Le capitaine reprend la barre. Faites gonfler la grand voile. Allez, c'est parti. Bon, bah, du coup, on va partir de cette île et on va aller où on doit se rendre, tout simplement, hein, pour la suite des aventures de Jean-Luc. Non, alors, on peut pas se porter ici. Non, on peut pas. On peut vraiment pas. D'accord, très bien. Il y a Charlotte qui est ici. Charlotte, alors Charlotte, je peux te dire, gain d'argent élevé. Alors là, ça doit être du pognon, du pognon. Ah, je suis un peu fou aujourd'hui, c'est vrai. Bah écoutez, entre ça et ça, c'est presque pareil. Donc on va y aller. Faudra peut-être quand même que je mette un marqueur. Tac, tac. Et voilà, voilà. Parce qu'on n'a rien d'autre. Ah, et on va direction l'observatoire. Ah, ça c'est cool. Observatoire, c'est folichon, folichon. Bon, le graphisme soit moins bien, mais vous le savez, je l'ai fait dans l'épisode précédent. Bon, c'est pas très très grave. En fait, c'est la mer, ça prend énormément de ressources. Hein. C'est un truc de ouf. Quand la mer est vraiment bien faite comme ça, avec tous les petits détails, la mousse, vous voyez, sous le bateau ou autre, ben, ça prend vraiment énormément de ressources pour le PC. Et en PC, il suit pas. Hein. Le PC, je sais pas ce qu'il a. Oh shit. Enfin, je répare le bateau en fait, je vais voir ça aussi. Le vent est de plus en plus fort. Ne t'inquiète pas. Là. Oh shit, les vagues sont grandes là, il doit y avoir une tempête pas loin. Une tempête pas loin. Et là on va vraiment pas vite. Pas très très vite. Mais du coup c'est... Ouais, bah là on fait carrément du surplace en fait. Et à chaque fois... Pour la mer, il y a une tempête, je ne sais pas pourquoi, c'est la vie. Pourquoi la vie, la vie. Edouard, faut pas laisser ce monstre nous capturer. Ok. Quel monstre? Où un monstre? Ah, une tempête. Ah, pas très bien. Voilà, tout simplement. Je vais tourner par là, alors. Je vais passer à côté de moi. Je pas pour l'instant. Elle s'éloigne. Oh, attention, une tornade. Une tornade. Non, elle est derrière. Elle est là, la tornade. Vous êtes dépassé. Du coup, elle va dans la même direction que nous en plus. Bah, on a bien la chose. Hein. Je sais pas si c'est fait exprès. On va jamais s'en sortir vivant, capitaine. Ah, on va s'en sortir vivant, qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Faut pas être si pessimiste dans la vie, ouais. Faut être si pessimiste. Ah, bah voilà, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, mec. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Je te l'avais dit. Oh shit. Oh shit. Il doit faire Bobo lui. Je l'avais dit. Sur tribord, capitaine. Ce butin nous tend les bras, capitaine. Un de bois, super comme butin. Non mais j'avais dit que... Ils se battent. Ah,
navire espagnol. Il y a un navire espagnol dans le tas, donc c'est pas ça. Donc toi, tu me cherches, je vais te poser la gueule là. Hein. Hey. Oh, c'est qui je suis ou pas? Oh. Voilà. Fais en sorte de plus me voir. Voilà, très bien. Très très bien. Parce que moi je peux te dire que là je vais améliorer mon bateau. Donc ouais, par rapport à ça, j'ai pas eu de réponse, hein, tout simplement parce qu'il n'y a plus personne qui suit mon let's play, bien sûr, bien évidemment. Voilà. Mais bon, on va bien voir ce qu'on va prendre du coup. Mais du coup. Oh shit. Porte houle sur bâbord. Les pièces en place. What? What the fuck, man? D'accord, très bien. Très très bien, on se fait dégommer deux. D'accord. J'espère que ça va pas nous remettre hyper loin. Sinon, on va esquiver le phare. Hein. Tant pis. Le phare, je pense qu'on va esquiver. Vous voyez. Non, faut pas les couilles. Voilà. Très bien, bon, c'est nous. Ça nous remet apparemment pas très loin. On a rien fait, c'est ça le pire. C'est que. On a rien fait, arrêtez. Punaise, j'ai totalement rien fait. C'est pas grave. Oh, un conflit, enfin, comment ça s'appelle là? Allez, on lance la séquence 10 qui est l'observatoire. Allez, c'est parti, on va voir enfin ce que c'est l'observatoire et tout ce qu'il renferme, tout simplement. Ça va être sympa. Là, c'est pas sur bateau. Je vais bien aimer, je pense. Le chasseur de pirates est mort? Ouais, de ma main. Comment se fait-il que toi seul puisses trouver ce que tant d'hommes cherchent? Je suis né avec des souvenirs de cet endroit. Des souvenirs issus d'une toute autre époque, je crois. Comme si... j'avais déjà vécu une autre vie. J'en crois pas un mot. Tu vas parler clairement. Pas aujourd'hui. Après toi, capitaine. Le chemin qui nous attend est dangereux. Je sais pas pourquoi. Les indigènes de ces terres vont se battre, Edward. Tu es prêt à les repousser s'il le faut, hein? À les tuer si besoin est? Tu auras bientôt ta réponse. Je ne sais pas pourquoi, je te sens vraiment mal avec ce mec. Je sens que le mec va nous faire un coup bâtard. Oh. C'est pas du joli joli l'observatoire. Je sens que en fait on va être au but juste devant le coffre. Et ce mec va. Ça j'ai en présence des gardiens. D'accord. Allez, des gardiens qui. Attends, carrément. Ah il me laisse tout seul. Très bien. Ils viennent ou pas? Non, ils viennent pas, très bien. Ils se cachent en plus. Les gardiens. Attendez. Il y a un truc là. C'est juste ça. Je vois à travers tout. Voilà, très bien. Ok, bon, on va pas prendre le fragment.
que 3? Il n'y a que 3. Il n'y a que 3. Très très bien ça. Très bien. C'est un peu du morflage, comme on dit dans le milieu. Ta bouche. Zone franchie. Je crois que c'est par là. Ça doit être par là. Attendez. On fait gaffe quand même. Il y en a un par derrière qui nous assassine. Je sens que ça va arriver en plus. Ça, des fois, peut-être. Je prends pas mal de précautions, mais bon. Ouais, donc je sens vraiment que le mec va nous trahir à la fin. On va être près du but et là il va dire non, non, c'est pour moi et il va nous pointer avec un flingue et tout le bordel. Oui, je sens que ça va être ça. Je sais pas pourquoi. Et bien sûr, j'ai pas vu la fin. Hein. Je n'ai pas, absolument pas vu la fin. Absolument pas. Mec là-bas. Truc sur lui. Je sens qu'on va en avoir besoin. Je vais quand même les garder. Et puis je vais le ramasser. Mec, tu me fais pas ça? Pourquoi tu me fais ça? Restez proche. Là, faut que je ramasse quelques flèches. Ah merde, il n'y a pas les bonnes. Papy. Ah, une petite flèche, ça pourrait essayer que dans la gueule. Un crocodile. Mec épuisé. Il fait quoi? C'est pas si. Ah.
paquet quand même. Au cas où. C'est jamais. Pas le buter lui. Tu vois, quand tu veux. J'avalie un petit peu. Toujours le mec là-haut, mais... déjà là. What the fuck? Après que j'ai pas compris. J'ai pas compris là. Pas monté là. Mais est-ce que je suis déjà venu ici? Est-ce que je suis pas venu ici? C'est ça le truc. Je me demande. Attendez. C'est pas ici. Mais... là. Ça doit être par là, écoutez. Si rien par là, c'est que c'est par là. Écoutez, on suit les arbres. Et là, ils disent que c'est par là. What the fuck, man? Je comprends plus rien. Ça va être le plus dur à faire en fait. Ah, c'est pas... Il peut pas monter là. Si. Ça doit être par là. Aucun ennemi là. C'est pas là, je crois pas. Je crois que je fais demi-tour. Oh là là, la pirate. Non, je suis pas fort en... en repérage, je sais pas quoi. Ouais, je fais tous les tours.
D'accord. Ok, alors là, je sens que ça va être un gros casse-tête. Je ne sais pas pourquoi. Un mec là-haut. Je sens que ça va être ça. Je sens que c'est ça, c'est sûr. What? Un macaque. J'ai envie de tester. Un macaque en mode jury. C'est quoi ça? C'était quoi? Oh punaise. Il est reparti. C'est reparti, on continue. On est revenu sur la grande plaine. Et là, il faut juste monter. Oh punaise, je me perds quoi. Je me perds déjà. Allez tout droit pour voir. Mais là on voit pas d'ennemis donc je pense que c'est pas par là. On est revenu sur le chemin qui... Ah là ça m'énerve, ça m'énerve. On va pas passer l'épisode à faire ça quand même. Ça sera assez ouf. Bon, lui déjà je vais te buter parce que lui... Bon ça me le casser. On va le buter. D'accord, on peut pas l'assassiner. Très bien. Écoutez, je vais aller, je pensais, vraiment par là-bas. Il y a un mec là. C'est toujours le même singe en fait. Je crois que c'est le même. Pas le buter. Si je veux le buter, on va voir. Gun. Hein. What the fuck? Ok. Je crois que ça va être lui qu'il va falloir traquer. Il monte. Oh putain, non! Il est par là. Et ouais. Mais mec, je suis là. Ça va rien me donner? Rien me dire. Ça veut rien me dire quoi. Putain, je... Ouais, là, je galère un peu. À vrai dire.
pas un petit peu, je galère complètement. C'est vrai, c'est plus par là. Lui là, le sniper. Il fait pas peur en fait. Je vais me niquer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Problème? Attends. Prends les mines. Prends les mines, je suis mort. Oh là là. Alors, traverser les grottes, ça peut être en bas ou en haut en fait. C'est ça le truc. Bonjour. C'est pas moi. C'est qui t'as vu là? Juste le trésor ici. Tac. Non, tu n'as rien vu. Il faut marrer avec le costume. Les gardiens à la main, putain c'est trop chaud ouais. Comment possible leur truc. Déjà 30 minutes qu'on y est. Faut des balles, mais eux ils ont aucune balle. C'est pas des balles eux qui... Au revoir. Charge détruite. Réduite. Détruite. Mais oui.
de l'argent, je vais vous le prendre. C'est sûr. Ta bouche. Bien, par ici. C'est bon. On a réussi. Il visait ça à qui? En fait. La vision de Blake, c'est sûr que ça nous sert vraiment bien. Ce moment-là, ça nous sert vraiment, vraiment. Ça. Ça, ça lui fait faire encore plus de sport. Même si on n'a pas vraiment besoin en fait. Alors, en fait, il n'y a pas de gardien donc. Pas vraiment. Hein. On peut pas vraiment les éliminer. Ah, bonjour. Ouch. Ah, pardon. Du bug. C'est pas, c'est mon casque qui bug en ce moment. Parce qu'en fait, je te vois. Je vais te buter. Merci, au revoir. Ça confirmerait bien que c'est par là. En fait, mais oh, quel con. Alors, zone de recherche vite. Les amis, bien cher lui, mais bon, le personnage veut dire un peu. Bon, on s'est fait un peu surprendre parce qu'on n'a pas trop regardé. Ah, je crois qu'on est enfin arrivé. Oh. L'observatoire. Quelque chose là. Ah non, juste là, d'accord. Okay. Oh shit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles comment toi? Voilà. T'as plus de... plus rien maintenant. Et le singe là-haut? Descends. Voilà, si. Très bien. Du coup, il reste ici. Bonjour, petit.
bien sûr. Le mec, il a réussi à me... Il a eu le temps de me la mettre. Très bien. C'est ça l'observatoire. Tout ça. Un endroit presque sacré. Tout ce qui lui manque, c'est une goutte de mon sang. Regardez, il a rien fait du tout. Là, j'ai tout fait. Je sens que ça sent la trahison à plein nez. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens. Au contraire, Edward. Ces abrutis auraient perdu la tête en voyant ce qu'il y a derrière cette porte. Mais toi, je te soupçonne d'être bien plus coriace qu'eux. Maintenant, ramasse ce coffre et apporte-le ici. Putain, j'ai cru qu'il allait le faire directement ici. Sale et décrépit. Mes souvenirs sont bien différents. Mais après 80 millénaires... Tu mens. C'est impossible. Fais bien attention à toi, capitaine. Je dois dire que cette nouvelle vocation m'inspire. Et cela t'amusera peut-être d'apprendre que j'ai édicté mon propre code de conduite. Ton propre credo, hein? Pour maintenir la paix à mon bord, les jeux d'argent sont proscrits, car ils génèrent plus de conflits que de camaraderie. La désertion durant le combat est interdite. Et j'exige que tous les canons et tous les sabres soient propres et prêts à l'usage à tout instant. Je te comprends. Pour cela, toute infraction est punie de mort. Quel endroit incroyable. Splendide, n'est-ce pas? Ouais. Tout droit sorti d'un conte de fées ou d'un poème antique. De nombreux récits parlent de cet endroit. Des histoires devenues rumeurs... puis légende. Le chemin inéluctable conduisant toute réalité vers la fiction, avant de sombrer dans l'oubli. D'autres fioles de sang. Oui. Ces cubes contiennent le sang d'un peuple très ancien. Une race qui, à son époque, a touché les sommets. Plus je t'écoute, mon ami, et moins je te comprends. Je n'en suis pas surpris. Mais rappelle-toi ceci. Le sang que contient ces fioles n'a plus la moindre valeur pour quiconque. Un jour peut-être il en sera autrement, mais pas à notre époque. Nous y sommes. Dépose le coffre à ses... C'est quoi ce bruit? Ah oui, une mesure de sécurité. Attends un instant. Nous y voilà. Mais à quoi sert cet endroit? C'est une sorte de grande longue-vue comme on utilise les marins. Un appareil qui permet de voir malgré la distance. Dieu, c'est de la magie noire? Non, c'est Monsieur Jack Rackham, quelque part dans ce monde à cet instant précis. C'est un assaut. Ça se passe en ce moment même. On voit la même chose que lui. Oui. J'en sais rien, Jim. Je connais absolument rien à la navigation. C'est pas un travail pour une femme. Faux. J'ai vu des dizaines de femmes ferler des toiles et tourner des cabestans. Et tu m'apprendras à me battre? Avec un grand sabre? Et même à tirer au pistolet? Je m'arrêterai pas là, mais il faut que tu le veuilles et que tu t'appliques. Tu dois pas songer à l'échec si tu veux réussir. Hé, hey, mon gars, c'est à ma femme que tu fais la cour. Allez, Pat, ou je te découpe. Va cuver ailleurs, Rackham, et réfléchis deux fois avant de m'appeler mon gars. Oh, oh, c'est vrai ça, mon gars.
Quel drôle de gens. Voyons-en un autre. Le gouverneur Woods Rogers. C'est trop stylé. Tellement stylé. Que je passe même pas, tu vois. J'ai envie d'écouter. C'est une idée audacieuse, mais je vais devoir y réfléchir attentivement. Il vous suffit d'inviter la Chambre des communes à un témoignage de loyauté. Un serment, un geste, et un petit rituel afin de prélever quelques gouttes de sang au bout du doigt. Rien de plus. Les ministres vont sans doute s'y opposer, mais persuader la Chambre des Lords ne devrait pas poser de problème. Ils ont un goût prononcé pour l'apparat et les cérémonies. Tirez-en parti. Dites-leur que c'est un signe de soutien au roi, face à tous ces rebelles jacobites. Oui, très judicieux. Ah, ces Templiers. L'élément crucial est le sang. Vous devez en prélever un peu à chacun. Nous devrons être prêts lorsque nous trouverons l'observatoire. Entendu. On l'a déjà trouvé, nous. Un outil précieux, n'est-ce pas? De la sorcellerie, voilà ce que c'est. Oh non. Les mécanismes qui animent cet appareil sont tout ce qu'il y a de plus concret. Antique, certes, mais pas plus surnaturel qu'étrange. On deviendra les maîtres des océans. Oh, quelle ambition. Voilà, je te l'avais dit. Mon code ne prévoit rien en matière de loyauté, Kenway. Tu as joué ton rôle, mais notre alliance prend fin. T'es un homme mort, Robert. Et voilà, ça sortait à 300 km quoi. Putain, c'est ouf. Qu'est-ce que les pirates peuvent être bêtes. Punaise. C'est facile. Sans. C'est compliqué de trouver une issue. C'est pas compliqué du tout en fait. Ce que je fais là, pas du tout ce que je fais. J'ai pas réussi là. Hein? Alors il faut s'éjecter en arrière. Très très bien. Par contre, je sais pas trop ce qu'il a voulu dire. Comment on fait déjà? Si on peut faire un saut en arrière. Alors, commande. Pas dans ça.
c'est pas ça. Non plus, je joue même pas avec ça. Non. C'est pas général, peut-être. Et je sais pas comment il ce qu'il a dit en fait. Donc du coup je suis un peu dans la mélasse. Comment on fait un saut en arrière? Ah, faut peut-être se mettre en haut. Maintenez, tac. Ah bah voilà, parfait. Ok. Je sais pas, j'ai trouvé ça au pif. J'ai trouvé ça tellement au pif. Je vais être par là. Ah oui, il y a une issue là. Ah, c'est tellement bien. Je savais même pas. Là sur moi, j'aime bien récupérer mon sang. Ah, j'ai pris un truc là. Ah, pas très bien. Survivre. Et un peu plus. Robert! Aussi. Oh, ton Jackdaw a quitté le nid, Edouard? Hein? Voilà la beauté de la démocratie. La multitude l'emporte toujours. Oui, tu pourrais venir avec moi, mais... Avec un esprit aussi ardent que le tien, tu risquerais tous de nous réduire en cendres. En revanche, je sais que le roi a mis ta tête à prix de façon fort généreuse. Et vois-tu, cette fortune me tend les bras. As-tu déjà fréquenté les prisons jamaïcaines, mamie? Dis-moi. Et là, de toute façon, c'était fait pour l'histoire, sinon on aurait la mission échouée et tout. Tout le bordel. Donc c'est sûr que c'est fait pour. C'est sûr. Et ouais. Ça va passer. C'est le Midazolam. Je suis désolée pour ça, mais... On a eu tellement de problèmes de sécurité qu'il a fallu prendre des mesures draconiennes. Et... Olivier a disparu. Il est parti pour Chicago il y a 2 jours. Depuis, personne ne l'a revu. Je sais que ça peut te sembler excessif, mais... Les infos que l'on détient nous donnent certaines obligations vis-à-vis des actionnaires. Ne t'en fais pas. Tu toucheras un dédommagement quand nous aurons trouvé le hacker. En attendant, repose-toi, d'accord? Et si le cœur t'en dit, essaie de récupérer d'autres images. On est tous bluffés par ton travail. J'ai vraiment hâte de te montrer ce qu'on a tiré de tes séquences. À bientôt. Oh, ils t'ont mis dans le bunker. Bravo! Eh bien, je vois que tous ces petits templiers ne prennent aucun risque. Bon... On fera mieux d'effacer toutes les infos compromettantes qu'ils ont sur toi.
T'as entendu ça? Je crois bien que je viens de faire passer ton habilitation au niveau 3. Va dans le local de la...